Oh yeah. Ça y est, on est en direct, on est en direct. Salut les amis, on est lundi. Lundi combien? 6 novembre. Ah ouais, quand même déjà. Question à 100 balles, est-ce que j'ai accès étant ici? Eh ben, c'est une bonne question, mon petit Christophe. Je crois que tu as accès. Ah, il y a Fanny qui est en direct. Qu'est-ce qu'elle dit, Fanny, en direct? Fanny fait sa matinale? C'est pas un accès démentiel que j'ai là. Alors, on va aller couper le Wi-Fi, reprendre la 4G. Il y a déjà deux personnes connectées. Salut Vincent, Vincent qui est connecté. Pat-Pat et Anan qui sont connectés mais qui n'ont rien dit. C'est Pat-Pat qui a dit quelque chose, qui dit Good morning les agrumes. Yeah. Alors Wi-Fi, on sort du Wi-Fi, s'il te plaît. Données cellulaires, on va aux données cellulaires. Alors je sais pas s'il y avait quelqu'un qui était là hier. Hier j'avais dit que ouais, j'irai à ODS. Bon, j'ai changé de route. J'ai décidé de venir d'abord à Alray. Donc je suis à Alray, je suis au rez-de-chaussée d'Alray, dans une salle. Si tu regardes derrière, ah merde, c'est comme ça qu'il faudrait que je fasse. Si tu regardes derrière, là, tu vois, il y a de quoi faire. En fait, il y a une réunion ici tout à l'heure. Je crois que c'est à 10h. Il est 9h20. Qu'est-ce qu'il fait le totof? Il vient squatter. Il en profite. Fais comme moi. Si tu es à Alray, descends. C'est au rez-de-chaussée. D'ailleurs, tu vois là derrière. C'est sûr. Quand tu regardes Alray comme ça, c'est sur la droite, sur l'aile droite. Première salle de réunion. Une grande salle de réunion. Voilà. Donc, n'hésite pas à me rejoindre si tu veux. Bah, de toute façon, on va pas rester longtemps parce qu'à mon avis, les premières personnes vont arriver dans pas longtemps. Allez, première chose à faire, je vais partager sur le groupe cette belle petite mise en scène. Il y a déjà des gens qui commencent à rentrer. Je suis inquiet pour ma place. Non, c'est pas des gens. Non, il y a personne. Oui, bah, voilà, très bien. Très bien. Merci, monsieur. Il est beau votre anorak, jeune homme. Ben merci, Hein? je suis corporate. Ah oui, je vois, tu es corporate, c'est super, c'est super, c'est super. Ah, Alors, oui, à plus tard, pas de souci. Alors, pour faire ça, j'ai besoin. Bonjour, ça va bien? Christophe. Alors, j'ai besoin de quoi? Ah ben oui, il n'y a pas de problème. Le gars qui. Allez-y, faites comme chez vous, prenez un café, jeune homme. Il n'y a pas de souci. Alors que c'est pas mon truc, c'est pas chez moi. Ah, on est beau, j'adore. Bon, un petit peu de lag dans le truc. Good morning, ok, je vais le partager. C'est toujours ça. Hein. Bonne nouvelle, Blue Jeans revient dans pas très longtemps. Je négocie ça aujourd'hui et je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. Alors ici, tu sais que tu bosses chez Orange Camp, la matinale des agrumes. La matinale des agrumes. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que j'ai des agrumes qui ont leurs anniversaires. C'est sur les trois comptes. C'est rare que ça arrive comme ça. Il y en a une vingtaine. Je crois qu'une 15, 16 sur le premier compte. 3, 4 sur le deuxième. Et une sur le troisième compte. J'aimerais bien basculer sur le deuxième parce que c'est à l'époque où j'avais été blacklisté par Facebook. C'est un petit peu la misère à faire parce qu'il faut que j'aille là. Faut que j'aille là aussi. Ça me fait trois trucs à ouvrir. Bon, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je sais que les modos ont pas mal chanté. Moi-même, j'ai chanté avec un certain Nicolas Allègre, qui est vraiment une pointure. Hein. J'ai retrouvé une pointure sur Smule. Attention, hein, le gars, il assure. Hein. En plus, tu sais, les genres de pointures qui ont des voix super aiguës. Des voix super aiguës. Je suis en train de regarder si ce que vous faites là n'est pas en train de passer à l'image. Oui, presque. Presque, presque. Donc, il faudrait que je me mette comme ça. Pour pas que. Voilà. Donc, alors, je regarde. Ah, toujours, merci Marie qui m'a dit tout ça. Ouh là là, mais il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il y a du monde, il y a énormément de monde. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Si je fais ça. Ah non, c'est pas bon non plus. Oh, punaise. Bon, alors, où j'en suis? Je termine mon, comment dirais-je, mon, est-ce que je suis ouvert ici sur,
ici, voilà. Et je crois que pour... Ah ben c'est ici la vidéo en direct. Ouais, bonjour. Salut. Tac, tac, tac. Marche encore? Ouais, ça marche encore. Là, pour une fois, je peux te dire, on n'est pas, je suis pas en 4G, l'Orange. Enfin, si, là, je suis en 4G, mais c'est pas très, très efficace. C'est pas très, très efficace. Il faut que je tague les collègues ici. Donc, j'ai Rose Anne. Voilà. Donc, ça va ici. Je mets joyeux anniversaire. Ah, alors j'arrive pas à écrire joyeux anniversaire, non mais je rêve. Ah, c'est là. Punaise, il est où le truc? Bonjour Christophe, salut. Joyeux anniversaire. Ah, et je fais pomme V. Voilà, j'ai Faboumi. Valérie, ok. Ah, merde, je coupe. Le dernier. Putain, je crois que je ne sais pas si j'ai fait une bonne affaire de venir dans cette salle, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent. Ok, ça c'est bon. Et le dernier, c'est ici. Alors, il faut que j'aille sur. Tu sais qui vois sur Orange-K, et c'est Busybooze. Voilà. Voilà. Donc, je crois que je fais ça. C'est pas facile. Là, je prends ça, je mets là. Voilà. On est pas mal? Comment ça? Mais si on est mal. Le troisième compte, c'est juste pour dire joyeux anniversaire à Busybouze. Ici. Joyeux anniversaire à Busy. Busybuse. Alors, je ne sais pas qui c'est Busybuse, mais en tout cas, je tiens absolument à te souhaiter un joyeux anniversaire. Allez, on y va. Je vais te souhaiter des anniversaires tout de suite, comme ça, c'est fait. Parce que sinon, je pense que peut-être que je ne vais pas avoir l'occasion de le faire en entier. Et tu sais que ça. T'es où, Christophe? Ben, je suis à Alray. Je suis à Alray. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, qu'est-ce qui est là? Ouh là là, il y a du monde. Salut Nono. Ma Nono, qui est rentrée dans le public, qui est rentrée il y a Pascal. Salut Pascal, tout va bien. J'espère qu'on m'entend. Salut Oriane. Vanessa. Le papillon, il est là. Dom. Dom, dis donc, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Tu as pris des vacances scolaires, on dirait. Ouais. La qualité de diffusion, j'ai l'impression que je suis en SD. Enfin bon, parce que c'est comme ça. En tout cas, ici, ce que je vois, c'est en SD. Salut Dominique. Donc, Jeanne, salut. Aude Alban, en plus, c'est ton anniversaire aujourd'hui, je l'ai vu. En plus, ça fait pas longtemps que je suis rentré dans la grande famille des agrumes. Salut Cédric, toi aussi, ton anniversaire aujourd'hui. Marie-Ange, hello. Hibiscus, yeah, number one. Du palmarès d'octobre. J'ai bien noté ton adresse, mais ne sois pas trop pressé pour le mug, parce qu'en ce moment, on est un peu charrette sur tous les trucs. Salut Luc, Ajiba, Rémil, Rebecca, Ico Guada, elle est là, Marie-Claude, elle est dans la place. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mastou, j'ai jamais trouvé l'endroit où tu as chanté, Mastou. J'ai cherché pourtant, au grand matin. Hein. Saloulou, bien sûr. Kumba, hé hey, ma chère, bienvenue dans la grande famille. Léa, Manu, bien sûr, bien sûr. On se voit bientôt. Léa, Buburoco, yes. Faboumi, Valérie, toi aussi, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Et donc, voilà. Et Vincent, qui doit filer. Vincent, il y a ton article sur. Comment j'arrive pas à me souvenir de ce jeu de combat? Impossible de me souvenir du nom. Salut Olivier qui vient d'arriver dans la room. Donc, si je comprends bien, je pense, sans trop me tromper, que la première personne à s'être connectée, c'est Nono aujourd'hui. Je pense. Ou Patricia, je sais pas. Enfin, je dis ça à la fin, en fait, quand le temps passe, je remplace, je modifie un petit peu le truc en haut et je dis le first of the, le premier du jour, c'est un tel. Et je le dis.
Ouais, je crois que, en fait, je crois que c'est le. Rassurez-moi, l'image, elle est aussi pourrie que moi je la vois, parce que je crois que c'est le Wi-Fi d'Orange. Comme je suis dans une salle où je pensais qu'il y avait des choses, j'ai utilisé le Wi-Fi d'Orange. Et peut-être que c'est pas bien. Qu'à cela ne tienne, j'espère que le week-end a été super bon pour vous. C'est la dernière ligne droite avant les élections qui démarrent demain matin, 7h. J'espère que tu as tes codes. J'ai encore rappelé là dans un petit post quoi faire. Après tout, c'est un mail qui nous a été envoyé par les relations sociales. Donc, le site sur lequel tu dois te connecter, quoi faire si tu n'as pas eu tes codes, comment tu fais, etc., etc. Écoute, suis ça bien. Après, je ne sais pas quoi te dire de ce qui s'est passé ce week-end. Hein. Bon, moi, j'ai balancé des images d'Orange Marine que nous a envoyé Reynald. Ça fait toujours plaisir, surtout que il n'y a pas longtemps, on avait été faire un petit tour là-bas avec les sites. Et on a de très très bons souvenirs. Surtout avec Bernard. Hein. Bernard qui est l'ami d'Edith à Brest là-bas. Et donc, c'est un truc qui nous a plu. Quoi. Donc on continue à suivre ça. Un petit article sur. Le jeu de. Impossible de me souvenir du jeu. Toi, le jeu de guerre, là, qui va sortir ou qui est sorti. Ouais, l'image n'est pas top. Je sais, je ne suis pas en. Je suis pas en 3G. Je suis sur le Wi-Fi. Je suis sur le Wi-Fi des salles ici. Et c'est pas top ici. Enfin, bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein. On va faire avec. Ce sont les moyens du bord. Hein. Ça m'étonne quand même parce qu'on est chez Orange. À moins que. Bon, voilà quoi. Bon, mais c'est ça. Bon, je ne sais pas quoi te dire. Donc, il faut que je trouve absolument le nom de ce jeu. Et pourtant, je ne connais que ça. Bon, il faut dire que je ne joue pas des masses. Donc, c'est pas là qu'il faut que j'aille le chercher. C'est Vincent qui nous a fait. Ouais. Call of Duty, merci. Oh, merci Olivier, tu m'as sauvé la vie. Call of Duty. Code, voilà. Il paraît qu'il y a une version qui sort et donc Vincent, qui est notre spécialiste gaming et e-sport, a fait un article que je diffuse là dans quelques temps. Je ne sais même pas s'il n'est pas passé encore. Je crois qu'il avait programmé 9h30. Voilà. Donc ça, c'est les choses du week-end. À part ça, Laurent, on est toujours en train de réfléchir à une éventuelle purge. Et purge, il faut dire. Encore ce matin, quelqu'un qui me dit, oh, c'est chaud, mais qu'est-ce qui se passe sur le goût? Une purge, mon Dieu. Non, mais be quiet, be calm. Purge, c'est simplement que pendant une certaine période, tu auras le droit de dire ce que tu veux. Et bon, on est en train de réfléchir à une nouvelle façon de faire, parce que bon, si c'est pour faire la même chose que la dernière fois, il n'y a aucune innovation. Or, tu sais que tu bosses chez Orange Camp, c'est l'innovation à fond. Voilà, on est toujours sur Orange Bank. D'ailleurs, tout à l'heure, à vers 11h, je serai sur ODS où je ferai la démonstration de Orange Bank comme notre joueur Opéra. J'espère qu'ils vont me donner un t-shirt toujours, parce que c'était la folie. Voilà, bon, merci à tous ceux qui nous ont mis des petits trucs sur la petite vidéo chantée que j'ai faite avec Nicolas Allègre. Je pense que c'est quelqu'un de connu qui chante très, très bien. Enfin, bon, moi, j'ai trouvé ça, je chante avec. Hein. C'est pas lui qui m'a invité. Lui, il a chanté, puis moi, je me suis accroché dessus. C'est un peu ça, ce mule. Puis moi, ça me fait plaisir parce que c'est pendant ce temps-là que je suis. Ça me permet de décompresser. Voilà. Autre chose, j'ai vu mon ami, comment il s'appelle ? Mon ami Kizako, qui a pété un iPhone. Je croyais qu'il avait pété son iPhone X10. Oh, malade, j'étais. Mais non, en fait, non, il a pris ça sur Internet. Bon, c'est vrai que tu as toujours des gens qui cassent des trucs. Olivier, pas une purge, un lavement. Et puis oui, voilà, j'ai regardé deux épisodes de Designated Survivor et j'ai tout de suite compris qu'ils m'avaient fait un truc. Entre-temps, ils ont changé le doubleur. Tu sais que c'est Jack Bauer, qui fait Superman, qui est dans 24 heures. C'est d'ailleurs pour ça que je suis accroché un peu à cette série. Ça m'a déplu, ça, le fait qu'ils aient changé le gars qui double. En fait, le gars, il essaye d'imiter, donc c'est à peu près dans le sens, mais il y a des petites intonations qui manquent. Et ça m'a gêné un petit peu. Il y a quelqu'un qui m'a trouvé la solution, je ne sais plus qui c'est. J'ai vu quelqu'un qui a dit, écoute, tu devrais les regarder en version originale, comme ça, tu n'es jamais déçu. Effectivement, si je m'habitue à regarder les trucs originaux, je serai tranquille. Le problème, c'est que mon anglais n'est encore pas à la hauteur de mes ambitions.
Voilà, donc je regarde un petit peu ce qu'il y a des choses qui se sont passées dans le week-end sur le groupe. Ouais, j'ai remis la charte un petit peu, parce que bon, comme il y a quand même pas mal de monde qui rentre, que j'envoie bien entendu la charte sous forme d'un mail sur le mail pro, et des fois certains peuvent passer au travers, donc avant, et puis surtout voilà, en fait c'est ça, c'est que j'ai vu que les modos avaient dû supprimer deux ou trois postes, des liens vers des sites perso, des postes de pub et tout, donc voilà, je remets un petit coup, une petite couche de charte afin de rafraîchir la mémoire et puis informer ceux qui viennent d'arriver. Toute promotion vers un autre site, un site web ou un autre groupe passe par une autorisation des admins. Voilà, c'est ça. Ça me permet de voir qu'est-ce qu'il y a sur le groupe, hein, parce qu'on ne va pas envoyer les collègues, les agrumes sur des trucs payants ou des trucs qui ne plaisent pas ou qui ne sont pas sur ma ligne de pensée, on va dire. Hein, je ne sais plus qui disait ouais, on n'est pas à l'armée. Non, mais on est derrière la charte. Donc voilà. Celui qui veut faire de la publicité pour sa cousine qui a ouvert un restaurant ou des trucs comme ça, ça tout va en général, on est con. Parce qu'on n'a rien à gagner là-dedans. Absolument rien à gagner. Maintenant, je ne dis pas, si tu m'envoies un bon petit chèque de 1000 euros, peut-être que je passe une publicité. Mais ça, c'est de la blague. Mais non, mais je te dis parce que des fois, tu ne comprends pas bien. Ok, bon, ben sinon, à part ça, j'ai super apprécié, je ne sais pas si c'était un fake, ce post, c'est Henry qui l'a partagé, où on distribue des notes 8 à tous les passagers d'un avion. J'ai trouvé ça bien. Après le street marketing, enfin le flight marketing. Si c'est cool, c'est bien. Après, ça ne m'étonne pas, vu les normes contre-pubs qu'ils ont eues avec le S8 hein, qui explosait. Non, plutôt c'était l'autre note qui explosait. Voilà quoi, c'est pas mal. Bon, il faut juste tomber le bon jour, au bon endroit. Quoi. Et puis surtout que peut-être les gens qui étaient dans l'avion, que ce ne soit pas qui aient gagné un challenge. Parce qu'imagine, si Samsung t'emmène un challenge au Mexique, eh ben, ils peuvent te filer des Samsung dans l'avion, faire un buzz dessus, ça, on en parle sur Internet et puis tout va bien. Voilà. Ça m'a permis d'ailleurs de faire un petit coucou à Amina Tunkara, qui est au Sénégal. Voilà. Alors, je fais des bises et des bulles. Alors, si quelqu'un de la run est dans la chatroom, je regarde un petit peu. Salut Céline qui nous a rejoint. Benjamin. Ah oui, toutes les séries doivent être vues en VO. Christophe. Oui, alors, moi je préférerais même VO tout court parce que VO sous-titré FR, en fait tu passes ta vie à regarder le bas de l'écran. Tu es moins dans l'action. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, hein, Benji. Oh Benji, ça me fait penser à une chose. Ma femme m'a dit ça hier. Madame NDI, elle a toujours l'œil. Tu sais que l'attentat qu'il y a eu à San Antonio, enfin le gars qui a tué des gens à San Antonio, ben le fou furieux, eh ben, on a visité cette église-là il y a 2 ans quand j'y étais. En fait, il va y avoir 2 ans pile, puisque c'était Noël, pas 2016, mais 2015. Okay. Ouais, ça doit être ça. Et tu te rends compte un peu? Bon, voilà, mais aux États-Unis avec des fous. Mais tu as raison, je reconnais qu'il faut regarder les séries américaines, en tout cas en VO, sans sous-titrage même. Comme ça, tu es voilà, concentré dans le truc. Salut Ronan. Orange Bank, c'est fait non sans mal. Bah, très bien. Super. Orange Bank, on va y arriver, les gars. Il faut y croire. J'ai vu que quelqu'un avait mis un comparatif des banques en ligne, que tout le monde est à peu près sur le même pied d'égalité sur ça. Et puis voilà, quoi. On va s'en sortir. Honnêtement, moi, je vous donne juste un conseil. Utilisez les hotlines prévues à cet effet. Ça ne sert à rien d'aller se plaindre sur les forums ou des machins. Tu as le site Internet et tu as la hotline qui est hyper efficace. Je rappelle encore mon problème de virement. Je pensais que ça allait être un truc de folie. Ça s'est réglé en 10 minutes chrono et ça y est, ma banque, voilà, mon truc est prêt. Voilà. Après, que je sache, il n'y a pas d'engagement non plus. Hein, parce que celui qui me dit « ouais, j'ai pas envie », punaise. Je vois une photo qu'il a postée, Laurent. Le gars, il n'a pas peur. Mince! Non, mais il y a des gens qui sont au bord de là. Non, c'est un fake. Le gars, il est au bord d'un précipice. Je ne sais pas, moi, il y a... Non, mais attends, ça me fait mal. Tiens, voilà, il y a Wardia qui dit qu'elle a le vertige. Ben, je te rassure, j'ai le vertige aussi. Mince! Ouais, d'accord, donc ça, c'est pas chez nous. Non, je regarde parce que des fois, je tombe sur des trucs qui ne sont pas. Ah, il y a Laurence qui est en train de visiter en direct en plus, un bateau à Tamaris-sur-Mer. Ben pourquoi pas? Steph, honnêtement, Steph, il va falloir qu'on parle, toi et moi, quand je viens à l'afterworld tard, parce qu'il va falloir faire de la photo.
Voilà, quelques changements de profil, les photos de changement de profil qui vont se retrouver à, qui vont se retrouver à, dans la VDS ce week-end. Bon anniversaire aux Anfal, ouais, c'est son anniversaire. Un coureur victime d'un arrêt cardiaque à l'arrivée du marathon Nice-Cannes. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bon, écoute. Voilà, bon, j'espère que. Il y a Jeunet qui est là. Ouais, j'étais en train de dire ça. Si certains d'entre vous, s'il y a quelqu'un qui rencontre Jeunet à la run au Chaudron, qui la voit, qui lui fasse un gros, gros, gros bisou pour lui dire ben, on l'aime, tout simplement qu'on l'aime. Voilà, je vois qu'elle n'est pas connectée aujourd'hui, mais bon, voilà. On en profite pour ça. Bon, ben, les agrumes, ah, ben, il y a des belles photos de Léa. Ah, il y a 7 minutes en plus. École de l'excellence, promo 2017. Yes! Yes, yes, yes. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des gens que je connais. Bon, ben, bien sûr, il y a toi. Ah, mais c'est quoi? On dirait que c'est Pris. Ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est que. Petit massage, d'accord. Ah là là, là, là c'est la classe, moi j'adore ça, j'adore ces. Ah, je vois Ismaël sur la photo. Aïe, 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 ça fait plaisir, ça fait plaisir, c'est la famille. Bon, écoute, c'est pas la peine de. Ah, voilà, il faut commencer. Voilà, je suis dans le noir en plus. Ça, c'est parce que j'avais cette photo-là ici. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Je vais finir par m'acheter les petits projecteurs ici que j'ai accrochés à côté pour avoir un peu de luminosité. Bon. On se fait un gros gros bisou. Prends soin de toi. Demain, matinale entre 7 et 10. Demain, c'est quoi? Ah, bah oui, bah, demain, c'est le début des élections. Donc, je pense que je vais être un petit peu bloqué. Mais je ferai quand même une matinale le matin. Tant qu'à faire. On se donne rendez-vous donc demain entre 7 et 10. Prends soin de toi. Amuse-toi bien. Et puis, passe une bonne journée. Bye bye.